Hello, it's me. Bon, il est. On recommence. Il est 3h38. On est debout, ça fait 5 minutes. Et puis ben, on va déjeuner. Donc je vous retrouve au cheval parce que là, il n'y aura rien d'intéressant. À tout à l'heure. Voilà, il est 4h36, on est au cheval. Bon, il est tout pianté. Voilà, il n'a rien défait, je suis trop fière de lui. Oh mon doudou. Bon bah, et puis là il y a Laurie, il a défait son pion de tête. Oh mon dieu, faut que je te change une icône. Oh bon, tu vois, voilà. Il a pas défait. Non, il a rien défait. Bon bah, à tout à l'heure. Je vous ai pas filmé l'embarquement des poneys et des chevaux parce que en fait on était à la bourre, fallait mettre les bandes de repos, on n'avait encore rien fait. Et puis j'ai pas pu vous filmer tout ça. Par contre, voilà, je vous retrouve pour la route. Ouh, t'es toute floue. Elle est toute floue. Il veut pas vers la macro. Oh, je te réveille. Ah, c'est mieux. Ouais, non, c'est pas terrible. C'est pas très gentil. Ah, là, ça va. Comme ça. La nuit, je nous allons aux pistes Tenderville, Belfast, nous étions par l'Olympia, pour une tournée de coco. Voilà bébé. Donc sur le deuxième tour, il a franchement été bien. C'était mieux que le premier tour. Donc je vais aller m'occuper de champion. Et puis bah, après, on va manger. Alors, il est actuellement 12h50. On est en train de regarder les tours. Donc on est au club, je sais plus combien. Donc vous avez vu mon deuxième tour, le premier n'a pas pu être filmé. Le premier s'est moins bien passé que le premier. J'ai pas eu de problème, il m'a juste fait une barre. Mais on a eu des problèmes de démarrage juste, etc. Et le deuxième, bah, vous l'avez vu, donc c'est Laurie qui m'a filmé. Laurie, voilà. Et donc là, on regarde les tours avec les chiens. Donc Laurie, elle a Tyrius, c'est le chien Prisca. Emma, elle a Yukan, c'est le chien Magali. Voilà. Et moi, j'ai Fiji, c'est aussi le chien Magali. Bonjour Fiji. Voilà, voilà. Donc bon, on fait rien de spécial, on vous filmera peut-être des tours. On a, enfin, j'ai pas pu filmer les tours des gens de notre club parce que soit j'étais pas là, soit je les regardais pas. Ou j'y ai pas pensé et j'essaierai de filmer Perrine, la fille de Magali. Donc voilà, pour l'instant c'est une bonne journée. Donc les poneys, on a défait leurs pions. Ils sont tout propres, on va aller les faire marcher, brouter après. Voilà.
En plus, il fait beau, il fait chaud, puis c'est bien. On a bouffé comme des grosses. Hey, oh, voilà. Ils sont beaux. Voilà, voilà. Je suis en train de faire brouter les poneys. Enfin, je suis en train de faire brouter les poneys parce que Emma, elle avait perdu son téléphone, elle a retrouvé son téléphone. Moi, je suis en train de faire brouter les poneys parce que. Oui, on les avait attachés, ils ont déjà tout bouffé, puis on veut pas leur gaspiller tout le foin alors qu'il est que 13h et qu'on y est encore jusqu'à au moins 6h. Donc voilà. Donc du coup, je le fais manger. On va aller leur chercher de l'eau. Voilà, voilà. Mais on n'a toujours pas les résultats, donc je sais pas trop ce que j'ai fait sur la deuxième. J'ai hâte de savoir. Je lui ai fait ses petits pions, il est tout beau maintenant. Je lui ai mouillé la crinière parce que c'était tout ondulé, c'était tout moche. Bah oui, bah je vais filmer toute la journée. Toute la journée, c'était bien France. Et voilà, pour l'instant on n'a rien fait de spécial. Enfin si, on a fait plein de choses de spéciales, mais là on a. Enfin notre journée elle est plus très très intéressante. Perrine elle est passée, finalement je l'ai pas filmée. Elle a fait un refus, puis sinon tout le reste c'était pas mal. Enfin c'était bien. On attend la remise des prix. Oui, les gens du 3ème âge. Il nous dit qu'on est vieille parce qu'on a un an plus que Perrine. Quand on a deux. Ouais, moi j'en ai deux. Poney. Mon loulou, il a des prix. Il a fini 3ème et 4ème. Poney. Oui, poney. Donc là. Vous entendez les chevaux qui passent. On est assis sur un banc avec Emma et des gens à côté, mais je vais pas vous montrer. Donc on attend l'épreuve. Donc en fait j'arrive. Oh, il va y avoir le saut avec les tonneaux. Enfin. Attends, les tonneaux. Donc en fait j'arrive pas trop à me repérer, savoir quelle épreuve c'est. Il en reste deux ou trois. Et donc là, ça doit être l'épreuve club 2, club 1. Donc c'est du 80 sur du Hunter parce que c'est pas les mêmes qu'en CSO et du coup ça doit être ça puisque il y a une dame de notre club qui monte et voilà. Donc vous avez des petits chevaux. Oh il est trop beau celui-là il est magnifique. Et lui il a fait une barre le dernier, c'est con. Il a pas fait une barre, il a fait un refus sur le dernier, c'est con. Ok, respect. Ouais, depuis tout à l'heure elles les font marcher, surtout les petits poneys là, ils ont fait le saut. Et depuis tout à l'heure, elles font que marcher. Oh, mais bref, donc on attend l'épreuve. Et après, ben, on vous retrouve. Je vais filmer des passages de personnes qui passeront, dont Pretty Cash avec sa propriétaire Christelle. Et voilà notre sac de bouffe. Il y a trop de trucs, c'est plus fin. Et on va l'acheter des crêpes alors que c'est plus fin. Bon. J'aurais eu largement la place, hein. Puisque. C'est trop bien, franchement j'ai pas envie de rentrer. Je vous ai dit, mais je vais vous le redire. Donc avec Belfast on a eu les résultats. Donc on a fait sur la 50 cm, on a fait 4ème sur 6. Bon, génial. On a fait, mais qu'est-ce qu'ils font, je comprends pas, c'est toujours le même cheval. 4ème sur 6, mais je suis quand même super fière du poney parce qu'il a pas fait de refus, il regarde pas du tout les obstacles. Voilà, c'est du hunter, c'est super strict, donc je suis super contente. En plus, s'il m'avait pas fait mes barres, j'aurais eu encore une meilleure note. Donc, on aurait eu une super note sans la barre qu'il m'a fait. Et le club 3, donc ça veut dire le 60 cm, on a fait 3ème sur 13. Donc, je suis trop contente parce que le poney il a géré. On a eu une moins bonne note qu'au premier si on n'avait pas fait nos 10 points. Parce que, du coup, comme on a fait 10 points, bah, on a eu une moins bonne note. Donc, j'ai eu une meilleure note sur le club. Le club 3 et je suis super contente et en plus les crues des quotas ils ont fait plein de podiums, pour l'instant on en a 5, c'est trop bien. Et Emma elle a fait 3ème et 5 et 4ème aussi, elle a fait 3ème sur l'épreuve 50 cm et 4ème sur l'épreuve 5 cm 5 cm et 4ème sur l'épreuve 60. Donc voilà, je vous retrouve après pour les parcours. Fidji qui se fait promener par Margot. Voilà. Et Margot, elle a fait 4ème. Elle est dans notre club. Fidji, c'est le chien de notre club. Elle s'amuse depuis tout à l'heure à promener Fidji.
C'est trop cela. Quand je cours, il y a le camion. Ne m'oubliez pas. Ouais, parce qu'il fait jour, il y a ça aussi. Hein. Parce que comme il fait nuit, tu vois pas le, tu vois pas la route, t'as l'impression que ça termine après. Voilà, alors j'ai pas fait de conclusion, donc je vais la faire comme ça. Les deux photos que vous voyez là, c'était pendant la remise des prix. Et sinon, donc il va y avoir des photos dossiers de Laurie maintenant. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. On n'a pas pu filmer énormément de choses parce qu'il y avait personne pour nous filmer et qu'on pouvait pas, on n'avait pas le temps. Mais sinon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de très très gros bisous.